Le temps est fluide ici, dit le démon. L'homme sut qu'il s'agissait d'un démon au moment même où il le vit. Il le sut, tout comme il sut que cet endroit était l'enfer. Ni l'un ni l'autre ne pouvait rien être d'autre. La salle était longue, et le démon attendait tout au fond, près d'un brasero fumant. Une myriade d'objets pendait au mur gris-pierre, objets d'un genre qu'il n'eût été ni sage ni rassurant d'examiner de trop près. Le plafond était bas, le sol étrangement immatériel. Approche, ordonna le démon. Et l'homme approcha. Le démon était nu et squelettique. Couvert de cicatrices profondes, il semblait avoir été écorché vif dans un lointain passé. Il n'avait pas d'oreilles, pas de sexe. Ses lèvres étaient fines, ascétiques, et ses yeux étaient des yeux de démon. Ils avaient vu trop de choses, voyagé trop loin. Sous leur regard fixe, on se sentait moins important qu'une mouche. « Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» demanda l'homme. « Maintenant, répondit le démon d'une voix chargée ni de chagrin ni de plaisir, juste d'une terrible et plate résignation. Tu vas être torturé. Combien de temps ?» Mais l'être secoua la tête sans répondre. Marchant lentement le long du mur, il inspecta un des objets pendus, puis un autre. Au bout de la rangée, près de la porte fermée, se trouvait un chat à neuf queues fait de fils de fer barbelés. Il le décrocha d'une main à trois doigts et revint le portant avec révérence. Puis il disposa sur le brasero les lanières métalliques qu'il regarda commencer à chauffer. « C'est inhumain ?»« Oui. » La pointe des queues du chat luisait d'un orangé terne. Comme le démon levait le bras pour assonner le premier coup, il déclara « Au bout d'un certain temps, même cet instant te rappellera de bons souvenirs. »« Tu mens ?»« Non, » assura-t-il. Et juste avant d'abattre son instrument de torture, il expliqua « La suite est pire. » Puis les lanières frappèrent le dos de l'homme en crépitant et en sifflant. Elles déchirèrent ses habits de prix, le brûlèrent, le déchirèrent, le déchiquetèrent, et pour la première, mais non la dernière fois en ces lieux, il hurla. Deux cent onze accessoires décoraient les murs de la salle, et il devait au fil du temps les expérimenter tous. Quand la fille du Lazaréen, qu'il en était arrivé à connaître intimement, fut enfin nettoyée et reposée sur la paroi à la 211e position, il lança dans un soupir, à travers ses lèvres déchiquetées. « Et maintenant ?»« Maintenant, répondit le démon, la véritable douleur commence. » Et ce fut le cas. Tout ce qu'il avait jamais fait et qu'il eût été préférable de ne pas faire, tous les mensonges qu'il avait proférés à lui-même ou à d'autres, la moindre petite douleur et toutes les grandes, tout cela lui fut soutiré, détail par détail, lambeau par lambeau. Le démon arracha la couverture de l'oubli, arracha encore et encore, jusqu'à dénuder la vérité. Et ce fut plus douloureux que tout le reste. Dis-moi ce que tu as pensé quand elle a franchi la porte, ordonna-t-il. J'ai pensé que mon cœur était brisé. Non, dit-il sans haine, c'est faux. Il fixait l'homme de ses yeux sans expression,
le contraignant à détourner les siens. J'ai pensé... Maintenant, elle ne saura jamais que j'ai couché avec sa sœur. Et se poursuivit ainsi le démantèlement de toute une vie, bribe par bribe, instant par instant, tous plus terribles les uns que les autres. Cela dura peut-être 100 ans, peut-être 1000. On disposait de tout le temps du monde dans cette grande salle grise. Et vers la fin, l'homme comprit que le démon avait dit vrai. La torture physique était plus miséricordieuse. Enfin, cela s'acheva. Et quand cela fut achevé, cela recommença. Avec une conscience de soi qu'il n'avait pas possédée la première fois et qui, d'une certaine manière, rendait tout plus insupportable. À présent, tandis qu'il parlait, il se haïssait. Il n'y avait plus de mensonges, plus d'échappatoire, plus de place pour rien, sinon pour la douleur et la colère. Il parlait, il ne pleurait plus. Et lorsqu'il en eut fini, 1000 ans plus tard, il pria que son tortionnaire s'approchât du mur pour en décrocher le couteau à écorcher, la poire d'angoisse ou les brodequins. « Encore !» dit le démon. L'homme se mit à hurler. Il hurla longtemps. « Encore !» répéta le démon quand il cessa, comme si rien n'avait été dit. C'était comme peler un oignon. Tandis qu'il passait en revue les étapes de sa vie cette fois-là, il s'avisa des conséquences. Il apprit les résultats de ses actes, des choses auxquelles il avait été aveugle sur le moment, toutes les manières dont il avait blessé le monde, tout le mal fait à des gens qu'il n'avait jamais connus ni même rencontrés. Et ce fut là la leçon la plus pénible depuis le début. Encore, dit le démon 1000 ans plus tard. Accroupi près du brasero, oscillant doucement, les yeux clos, l'homme conta encore l'histoire de sa vie. Et tandis qu'il la contait, il en refit l'expérience de la naissance à la mort sans rien changer, sans rien omettre, affrontant tout de front. Il ouvrit son cœur. Lorsqu'il eut terminé, il demeura immobile, les yeux fermés, attendant que la voix répéta « Encore !» Mais il n'entendit rien du tout. Il souleva les paupières. Lentement, il se leva. Il était seul. Tout au fond de la salle, il y avait une porte. Comme il la fixait, elle s'ouvrit. Un homme la franchit, les traits marqués d'une expression de terreur, d'arrogance et d'orgueil. Vêtu d'habits de brie, il avança de quelques pas hésitants, puis s'arrêta. En le voyant, celui qui venait de souffrir comprit tout. « Le temps est fluide ici, » dit-il au nouveau venu.